Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Notre pays connaît une forte instabilité et c'est dû à cette dépression qui se forme et qui se rapproche de l'Irlande. Elle est accompagnée d'un flux de sud-ouest, ce qui nous donne donc des températures assez douces pour la saison malgré les précipitations. Cet après-midi, si vous sortez, n'oubliez pas votre parapluie parce que quelques averses pourraient encore éclater par endroits, même si on connaîtra majoritairement des éclaircies. Et regardez les températures, eh bien on attend majoritairement 20 degrés sur le territoire, 21 c'est le pic à Mons et de 17 à 19 degrés en Ardennes. Cette nuit, on devrait connaître une accalmie, à l'exception de la Gaume, où là, ce serait quand même un petit peu plus couvert, vous le voyez, avec quelques précipitations encore, de très bonnes températures, de 11 à 15 degrés. Et puis, si vous aimez regarder les étoiles, regardez par votre fenêtre, parce que normalement, ce sera plutôt dégagé. La journée de demain sera lumineuse, plus sèche que celle d'aujourd'hui, à l'exception quand même des Flandres, où on attend encore quelques petites averses et un ciel un petit peu plus couvert que sur le reste du territoire. Et les températures sont un petit peu plus fraîches qu'aujourd'hui, mais rien qui pourrait nous faire peur avec 18 degrés sur le littoral, 19 à Anvers, à Bruxelles et à Liège et de 17 à 18 degrés pour l'Ardenne. Alors pour les trois prochains jours, eh bien pour débuter ces vacances, on va les commencer avec un petit peu de pluie. Regardez, mais un beau soleil quand même, de belles éclaircies, de 13 à 21 degrés pour dimanche. Pour la journée de lundi, on attend de 15 à 20 degrés. Et ce sera quand même plus sec pour mardi avec 19 degrés au maximum. Demain, nous fêterons les Élodies. Je vous souhaite une belle fête si vous nous regardez, ou bonne fête aux Élodies que vous connaissez. Le soleil se lèvera à 8h16 et se couchera à 18h36. Et pour se quitter, cette citation de Stephen Hawking qui dit « Rappelez-vous de regarder les étoiles et non pas vos pieds ». Très belle journée sur LN24.